Comme ça, c'est fait. Non. Je me suis foiré, excusez-moi. Bam, bam, voilà. On a Chaosix à votre gauche, Trif à votre droite. Malheureusement, on n'aura pas vu le pierre-feuille-ciseau. Voilà. Moi c'est mort, moi c'est Chaosix, je suis à fond derrière Chaosix. Voilà la France là. Moi c'est ça que je veux entendre la France. La France. Allez, le fils bump il est là. Ça va partir. Ça fist bump, ça se chauffe ou ça part? Eh ben ça part, ça se tabasse. Allez, Chaosix qui met directement un nid, bam. En tout cas, ça shield très très bien. Ouais. Ouh, dans smash. Je suis surpris, genre j'ai l'impression que le début de game est un peu compliqué pour Chaosix, et pourtant c'est lui qui a l'avantage du niveau des pourcents, enfin pour l'instant en tout cas. Situation d'edge guard. Oh, joli, 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 très joli mouvement aérien. Et très belle recovery de la part de Trif, hein, vraiment. Utilise bien le fait que Peach, bah, non seulement c'est un flotty, mais c'est un perso qui peut flotter en plus de ça. Donc vraiment, qui arrive bien là. Recovery. Oh, oh là là là, ça fait plaisir de voir cette game. Oh, cette bataille est une tempête! Oh, le Stitch! Et Trif qui garde ce Stitch, ça reste une menace. Hein. Aïe, aïe, aïe! Une deuxième fois! Oh, une troisième fois! Non! Oh là 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 là! Escalation d'Edge Guard, est-ce qu'il va le confirmer? Trif! Aïe, 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 aïe! Ouais, là, c'est compliqué. Oh, 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 ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. C'est un si bon début de game. Mais là, le Stitch. Oh, le Stitch, il fait mal. Hein. Allez, l'upper qui passe enfin. Et le Star KO. Avantage d'une stock clean pour Trif. Face à Chaosix. Chaosix avait fait un bon début de game. Et franchement, il a aucune raison de ne pas réussir à faire une bonne deuxième moitié de game. C'est rien. C'est qu'un avantage qu'une stock. Aïe, aïe, aïe. Par contre, Trif qui nous sort une belle phase. C'est pas fini, voilà, Chaosix qui fait mais une super belle recovery. Le side B qui passe, le trade sur le nid. Très très bonne utilisation du down B pour récupérer eh bien, le double saut. C'est joli ça, aïe aïe aïe, oh plus de double saut, c'est compliqué. Et la stock est prise. Dernière stock de Chaosix sur cette game 1 de poule. Alors on est sur du BO5, voilà, ça va, mais... Mais c'est toujours bien de prendre la première stock. Allez, le stomp qui passe. Jolie la patience pour le deuxième stomp. Upper, on sait pas trop. On préfère revenir en neutral. Pitch à 86%, back air. Bon, là, combo, c'est compliqué. Ah, il veut la chercher, il veut la chercher. Ok, jolie l'esquive aérienne là, qui a été catch par le upper. Encore un upper de la part de Chaosix. Oh, la patience, la patience. Back throw upper, le upper qui vient stale, donc ça commence à être compliqué de buter avec ça. Ah, et puis power shield de Trif, on voit que Trif est vraiment très très bon. Très très bon joueur. Allez, le up throw avec la plateforme. Oh, ouais, ouais. Très joli, est-ce qu'il revient? Il revient. Trif revient aussi. Oh, oh, il est parti si loin. Oh, il est parti si loin. Mais du coup... La game 1 va pour Trif. Allez, c'est parti. Yoshi's, terrain plus petit. Est-ce que ça va être à l'avantage de Chaosix? Je l'espère, j'ai envie de le voir gagner cette game 2 là. Ah, par contre, la machine à laver qui commence déjà 39% d'un coup. Oh, ça fait si mal. Vraiment, c'est ça le truc, c'est que le down smash, il est super bien pour punir les gens qui crouch comme ça en fait. Parce que down smash de Peach, vraiment, il est ok, mais c'est juste que si tu te dis « Ah tiens, je vais le crouch cancel », tu te manges une machine à laver, mon pote, et essorage à 1400 tours minute, la petite sonnerie LG à la fin une fois que c'est fini, tu vois.
Je dis absolument pas ça parce que j'ai une machine à laver LG chez moi. Ici, Jaraidin is Swiss, not French. Oh, I didn't see you. You switched to EU. I thought you were talking about French players. Par contre, là, comme six, faut se réveiller. Pas de force stock sur Yoshi's. Pas de force stock sur ton counter pick. Je t'en supplie. Trouve-moi un petit truc. Cuisine quelque chose de bon. Bonne salade niçoise, j'en sais rien. Sors-nous le vinaigre balsamique. Allez. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je dirais rien de plus. Moi j'ai rien de plus. Ah là 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 là. Le downer là. Je sais pas s'il s'attendait au nerf derrière pour voir le tech. Et finalement, ouais, ça a été pas juste en fait un der tout court, et c'est pour ça je pense que on l'a vu faire une esquive aérienne. Chaos X qui change de counter pick, il a fait ouais non, c'est mort. Genre Yoshi's juste pas possible. Donc voilà, on va aller sur Pokémon qui reste permissif au niveau des blast zones, mais qui à l'intérieur on a quand même un peu plus d'espace quoi. Oh. Down smash immonde, juste un coup qui passe et en plus ça t'envoie avec un angle dégueulasse. Oh. Alors. Ouais, c'était un wink. Je sais plus, je crois les winks ils font mal, pas autant qu'un Stitch, mais ils font mal les winks. Non, je sais plus si c'est les winks qui font mal ou si c'est non, je confonds avec les petits yeux là. Ouais, les petits yeux, j'en parlais, et la stock elle est prise là-dessus, punaise. Ah oui, question, est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce que vous n'êtes pas trop parasité par le son du stream principal? Ok, nickel. Ouais, parce que la solution pour ça, c'est juste d'augmenter le gain et de rapprocher les micros de la bouche. Mais si là, c'est bon, eh ben, c'est parfait. Ah, c'est là que c'est important d'avoir du bon matos, parce que mine de rien, vous vous rendez pas compte à quel point le son il est fort en fait. C'est que genre vraiment, on est juste en dessous des enceintes, et du coup ouais, c'est assez fort. Allez, Chaos X. Allez la France. Allez, le back throw, le back air. Allez, la scène en fait, ouais, je pensais qu'elles étaient permis. Ouais, c'est pas qu'elles sont un peu plus permissives, elles sont vachement plus permissives sur Pokémon Stadium. Oh, ah, le Dot Face encore! Aïe aïe aïe! Joli le Darmby. Ah, 163, ça bute toujours pas. Cette pitch est sick! Comment elle fait pour ne pas mourir à 173? Ça se voit pas, mais elle est sick, elle est dense. Allez, voilà, la stock qui est prise. Enfin! Ça fait 3 minutes qu'on a commencé. Enfin, pris une stock. Fort hard throw. Pas suffisant, surtout lancé depuis aussi loin sur le terrain. Oh là là, recovery! Aïe 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 aïe! Aïe 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 aïe! Ouais, non, vraiment. Très très chaud, très 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 chaud Triff. On peut pas lui enlever ça, très bonne situation des navets. La recovery de Falcon est pas facile, hein. Faut vraiment sweet spot le bord et puis Triff va faire tu sais quoi. Tant que je peux pas sweet spot, moi je t'envoie des navets. 5 fruits et légumes par jour. Allez, le back throw.
down air, parasol, dash attack, une deuxième dash attack, situation d'edgeguard déjà. Encore, il lui fait ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce combo? Il n'en finit pas, mais qu'est-ce qui se passe? Triff. Oh. Tiens, c'est marrant, il tente beaucoup de choses au parasol. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que bon, autant tout à l'heure ça combotait, mais là j'ai l'impression que c'était un peu en mode finisher. Alors que bof. Force Row à ce pourcentage là, non toujours pas parce que Falcon aussi il est bien lourd. Oh la patience, le stomp et le reverse knee. Oh là là, c'est si beau. Dommage, il manquait juste quelques pourcents, mais enfin juste quelques pourcents, ouais, t'es vraiment à la pourcent. Mais en tout cas ce sera un 3-0 de Triff, mais une très belle défense de la part de Chaosix. Vraiment la game 3 était serrée.